Il aura fallu 15 milliards d'années depuis le Big Bang pour que le grand laboratoire cosmique de l'univers engendre une multitude de pouponnières d'étoiles, les galaxies. Dans les bras en spirale de l'une d'elles, notre Voie lactée. Au cœur de notre système solaire, une naissance tient du miracle, celle d'une planète. La seule douée de vie, Gaïa, la Terre, notre planète bleue. Il en aura fallu du temps pour que sous l'œil bienveillant des dieux, la grande magie s'opère. L'eau multiple devient source, glacier, océan, nuage. Les rayons ardents du jeune soleil flamboyant inondent la terre. Le cosmos tout entier suspend son souffle, car de l'œuvre conjuguée de l'eau et de la lumière jaillit enfin la vie. Au large des côtes d'Islande, dans les eaux argentées du cercle polaire arctique, une baleine et son baleineau s'adonnent à leur jeu favori. Ils se projettent hors de l'eau et rivalisent d'acrobatie
pour retomber dans une gerbe d'écume, dans un vacarme époustouflant. Tout à leur plaisir et à leur innocence, les majestueux mammifères évoluent avec grâce. Ils ne voient pas le monstre d'acier, avide de chair fraîche, armé de canons harpons à quelques milles de là. Non, les baleines chantent. Depuis le début du XXe siècle, tout s'accélère. Le développement industriel, la révolution technologique ont fait faire un bond de géant à l'humanité. Mais ceci, on le revers. La mauvaise gestion des ressources, la surconsommation, la déforestation, si nous n'y prenons pas garde, vont engendrer une catastrophe écologique majeure. L'eau, symbole de purification et source de vie, pourrait devenir source de conflits et de morts.
Avons-nous oublié que l'homme appartient à l'environnement et non l'inverse, et que toutes choses sont liées ici-bas? En 1854, Seattle, chef indien sous Camiche, nous rappelait que la Terre est notre mère. Tout ce qui arrive à la Terre arrive aux enfants de la Terre. Si les hommes crachent sur le sol, ils crachent sur eux-mêmes. Ne laissons pas l'appétit de l'homme dévorer la Terre, car il ne laissera derrière lui qu'un immense désert. C'est l'énergie abondante qui gouverne nos aptitudes à changer le monde. Mais qu'en sera-t-il en 2050, lorsque nous serons 9 milliards? Pouvons-nous interdire aux pays émergents d'avoir eux aussi droit au confort, au progrès? Aurons-nous la capacité de résistance aux nouvelles maladies directement liées à l'appauvrissement des écosystèmes, aux modifications climatiques? Car ne l'oublions pas, le réchauffement planétaire et gaz à effet de serre sont la conséquence directe de notre mode de vie. We'll be right back.
La grande erreur de notre temps, c'est de courber l'esprit des hommes vers la recherche du bien-être matériel. Il faut relever l'esprit de l'homme, le tourner vers la conscience, vers le beau, le juste, le vrai, le désintéressé et le grand. C'est là et seulement là que nous trouverons la paix de l'homme avec lui-même et par conséquent, la paix de l'homme avec la société. C'est une triste chose de penser que la nature parle, mais que le genre humain n'écoute pas. Pas de fatalité et pas de complaisance. Redevenons gardiens de ce jardin d'Éden qui nous fut confié à l'aube des temps. Partageons ses richesses et puis nos connaissances, pour qu'enfin devant nous se dresse un nouvel âge, l'âge de la maturité.